Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue national au Sénégal est éclipsé par les violents affrontements qui ont suivi le verdict du procès de l'opposant Ousmane Sonko. La condamnation à 2 ans de prison ferme du leader du PASTEF pour corruption de la jeunesse a créé un regain de tension. Au moins 9 morts sont à déplorer. Vers une rupture du dialogue au Kenya, la coalition de l'opposition menée par Raila Odinga a décidé de suspendre sa participation au pourparlers bipartite entamé avec le gouvernement. Une sortie de dialogue qui fait craindre aux autorités une reprise des manifestations. Et la double nationalité demeure un sujet sensible en Tanzanie. Déchus de leur citoyenneté tanzanienne, les expatriés devraient prochainement voir leurs conditions changer. La diaspora va bénéficier d'un statut spécial dès décembre 2023. Détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, au Mali, la campagne référendaire a débuté ce vendredi 2 juin en vue du référendum constitutionnel initialement prévu en mars dernier et reporté au 18 juin. Les électeurs maliens seront invités à s'exprimer sur l'adoption ou non du projet de constitution initié par la junte au pouvoir depuis le coup d'État d'août 2020. Cette consultation est la première étape d'un calendrier censé aboutir à des élections en février 2024. En vue d'un retour des civils aux affaires, notons que cette consultation se fait sur fond de contestation. Plusieurs partis, regroupements politiques et organisations de la société civile dénoncent un passage en force de la junte qu'ils jugent illégitime pour changer la loi fondamentale, faute d'avoir été élu par le peuple. La campagne référendaire prendra fin le 16 juin. Dakar est sous tension. La capitale sénégalaise a été le théâtre de violents affrontements suite au verdict du procès de l'opposant Ousmane Sonko le 1er juin. Ce dernier a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une condamnation qui a provoqué la colère de ses partisans. Au moins 9 morts sont à déplorer suite à des heurts entre police et manifestants. Le point avec Corinne Kamsefem. Transport quasi en arrêt ce 2 juin 2023 dans les rues de Dakar au Sénégal, après une journée particulièrement violente au cours de laquelle 9 personnes ont trouvé la mort, selon un bilan rendu public par Félix-Antoine Diom, le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé dans la nuit du 1er juin 2023. Il a à cette occasion présenté les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées, mais aussi rassuré les populations de ce que le gouvernement met tout en œuvre pour garantir leur sécurité. Selon lui, la restriction opérée sur plusieurs réseaux sociaux s'est imposée alors que des messages de haine en circulation n'étaient pas de nature à apaiser les affrontements déclenchés après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 décès à Dakar et à Ziguinchor. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou tout cas d'incitation à la haine. Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l'État du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Ces affrontements viennent faire de l'ombre aux travaux du dialogue national qui ont débuté le 31 mai 2023 à Dakar et qui doivent, en plus de l'examen des questions spécifiques de développement, créer un consensus de la classe politique autour du processus électoral. Le Sénégal devrait en effet tenir son élection présidentielle en février 2024. Pour la défense d'Ousmane Sonko, même si elle a réussi à préserver la réputation de leur client accusé de viol, sa non-participation au prochain scrutin est désormais un fait. Dès lors qu'on considère que Ousmane Sonko n'a pas violé Hagi Sarr, il est clair qu'il y a une conspiration dans cette affaire-là. Je rappelle que la peine est de 2 ans. Et je rappelle à l'opinion que la peine est une peine d'inéligibilité qui ne permet pas à Ousmane Sonko d'être candidat à la compétition électorale de 2024. En matière de contumace, il n'est pas possible de faire appel. D'accord.
Mais sur le plan technique, on avisera, pour ce qui concerne les conduites à tenir dans le cadre des actes à poser, on avisera. Je ne voudrais pas me pencher devant la presse. Depuis son interpellation dimanche 28 mai 2023, alors qu'il conduisait sa caravane de la liberté vers Dakar, Ousmane Sonko n'a plus fait d'apparition publique. Il avait été, selon les autorités, conduit à son domicile à Dakar. L'arrêté du gouverneur de Dakar le 31 mai 2023, intimant l'arrêt de la circulation des motos à Dakar, reste en vigueur jusqu'à ce 3 juin 2023, alors que les partisans d'Ousmane Sonko prévoient poursuivre leur mobilisation. Faut-il s'attendre à une reprise des manifestations de l'opposition au Kenya? La coalition Azimio la Umoja de l'opposant Raila Odinga a annoncé la suspension des pourparlers bipartites avec le gouvernement. Cette sortie de dialogue serait-elle annonciatrice d'un retour des mobilisations pour protester contre l'inaction du gouvernement face à l'inflation? Rassemblements qui, rappelons-le, ont fait au moins 12 morts en mars dernier, selon plusieurs ONG. Donc, élément de réponse avec Paul Marcel Mayagi et Ruth Moussi. Au Kenya, les pourparlers bipartites visant à résoudre les différends entre l'opposition kenyane et le gouvernement du président William Ruto ont été suspendus indéfiniment, a annoncé Otiende Amolo, co-président des pourparlers bipartites conjoints. Cette suspension fait suite au retrait des pourparlers de la coalition d'opposition Azimio, la Umoja, déclaration d'unité dirigée par l'ancien premier ministre Raila Odinga. Dans une lettre datée du 31 mai 2023, la coalition d'opposition Azimio, la Umoja, précise que cette sortie est due à l'absence de réponse du gouvernement aux demandes de l'opposition. Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que la mesure appropriée est d'ajourner les pourparlers sinédiés, conformément à la clause 36 de l'accord cadre que nous invoquons par la présente. Nous suspendons également la délivrance d'un avis de dissolution en vertu de la clause 38 de l'accord cadre jusqu'à ce que vous répondiez aux préoccupations surmentionnées. Depuis le 5 septembre 2022, la coalition d'opposition Azimio, la Umoja, mène régulièrement des manifestations contre la vie chère et accuse le parti au pouvoir, l'Alliance Kenya Kwanza, de fraude présumée lors de la présidentielle du 9 août 2022. With regard to interference in Jubilee, the Kenya Kwanza has indicated willingness. En ce qui concerne l'ingérence dans le Jubilé, le Kenya Kwanza a indiqué qu'il était prêt à s'engager à respecter la décision du tribunal des partis politiques confirmant la direction du parti du Jubilé. Ils n'ont pas d'offre sur la réduction du coût de la vie parce qu'ils sont mariés à la loi des finances. Et nous avons un plan pour cette loi. Because they are married to the finance bill, and we have a plan for the bill. On lisait depuis quelques mois dans une crise politique, le Kenya a connu en mai 2023 une hausse à 8% du taux d'inflation, selon le Bureau national des statistiques. Pour pallier le problème, le président William Ruto s'est engagé à restaurer la discipline budgétaire du Kenya après que la dette publique ait explosé sous son prédécesseur. 6 mois déjà qu'ils sont en grève au Gabon, les magistrats craignent une année blanche suite à leur mouvement de grève illimité lancé en décembre dernier face au manque d'implication du gouvernement dans le dossier de leurs revendications. Le syndicat national des magistrats du Gabon, Sinamag, en appelle à l'intervention du président Ali Bongo Ondimba. Les explications de Marie-Raphaëlle Antolo. Le 30 mai au Gabon, le syndicat national des magistrats a adressé une pétition au président de la République, Ali Bongo, pour lui demander de se saisir personnellement du problème sur les revendications du corps adressées au gouvernement depuis décembre 2022. D'après le Sinamag, le président de la République, étant aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, devrait être au courant des réalités et défis que rencontrent les magistrats du pays, car selon l'organisation, le gouvernement reste sourd à ces revendications. La réalité, c'est que les textes qui encadrent la fonction de magistrat doivent évoluer avec le temps. Ils sont vieux, ils sont obsolètes. Ils doivent accompagner l'évolution de la profession de magistrat, notamment les spécificités liées notamment à la possibilité de poursuivre un magistrat
qui se serait rendu coupable des questions de concussion. Le 15 décembre 2022, le CINAMAC a lancé un mouvement de grève illimitée. Les professionnels de la justice avaient alors émis 5 revendications, notamment le vote d'un statut de magistrat ou encore une amélioration de leurs conditions de vie et de travail, le financement des costumes d'audience, des véhicules de fonction et la construction des sièges des hautes cours et tribunaux pour désengorger le palais de justice de Libreville. D'après le CINAMAG, le projet de loi relative à la validité par un texte du statut des magistrats serait bloqué au secrétariat général du gouvernement. L'interpellation du président de la République gabonaise, surtout en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, elle vaut son pesant d'or. C'est peut-être la seule solution. Nous en sommes dans un pays hyper présidentialiste. D'après le syndicat national des magistrats, le gouvernement préfère laisser croire à l'opinion que le débrayage qui perdure porte essentiellement sur la demande d'une dotation en véhicule. Le CINAMAG craint d'ailleurs une année judiciaire blanche si rien n'est fait pour résoudre ce problème. Flambée des prix à la pompe au Nigeria, en cause la fin des subventions sur le carburant. Le nouveau président Bola Tinubu l'a annoncé lors de sa prestation de serment le 29 mai. C'était l'une de ses promesses de campagne pour redresser l'économie nationale. Conséquence, les files d'attente aux stations-service se sont multipliées et les prix du carburant se sont envolés. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Au Nigeria, le 29 mai 2023, le nouveau président Bola Tinubu a déclaré la fin des subventions sur les carburants dans le pays qui, selon lui, ne favorise que les riches et non les pauvres. À cet effet, depuis le 30 mai 2023, les prix du carburant dans les grandes villes, telles que la capitale Abuja et Lagos, sont passés de 185 naira nigériens à 600 naira le litre. Un subsidy. Unfortunate. Les subventions de carburant ne sont plus. Les coûts croissants de la subvention ne sont plus justifiables en raison de l'épuisement des ressources. Il n'y aura plus de prévision pour les subventions de carburant dans le pays. Bien que le Nigeria soit un important exportateur de pétrole, le géant ouest-africain importe la majeure partie de son essence. Une subvention annuelle de 9 milliards d'euros permettait au pays de maintenir un prix à la pompe modéré pour les automobilistes. Cette politique sera venue plomber l'économie du pays, selon le nouveau président. Monetary policy. Do house cleaning. Thorough house cleaning. Nous saluons la décision de l'administration sortante de supprimer progressivement le régime de subvention à l'essence qui a de plus en plus favorisé les riches plus que les pauvres. Rappelons que c'est en octobre 2000 que le gouvernement nigérien avait introduit une subvention au carburant en apportant un soutien financier direct aux compagnies pétrolières pour faciliter la vie des populations. C'est peut-être une avancée dans le débat sur la double nationalité en Tanzanie, un sujet sensible dans le pays car adopter une autre nationalité, c'est perdre sa citoyenneté tanzanienne. Mais les lignes pourraient bouger suite à un débat au Parlement au mois de mai. Un statut spécial pour la diaspora a été annoncé. Il devrait être effectif dès le mois de décembre. Les explications de Mildred Diamou. La Tanzanie prévoit un nouveau statut pour sa diaspora d'ici la fin de l'année. Selon le ministère des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine, la décision fait suite à la reconnaissance du rôle important que jouent les Tanzaniens de la diaspora en faveur de la croissance économique et du développement national. Tanzania Non-Citizen Diaspora, c'est le statut spécial qu'aura la diaspora tanzanienne dès décembre 2023. C'est une bonne nouvelle parce que sur le plan politique, c'est un acte et un message de rassemblement et de vivre ensemble. Sur le plan économique, cet acte peut permettre à renforcer les investissements directs étrangers. Les investissements de la diaspora dans le pays sont importants et en leur permettant d'avoir accès à la terre, aux services financiers d'investir, le gouvernement de la Tanzanie s'offre une possibilité de relever et d'intensifier le niveau de développement économique et social. L'octroi d'un statut spécial aux Tanzaniens de la diaspora vise à leur permettre d'accéder à des services importants et d'accroître leur contribution au développement du pays selon le gouvernement. La décision intervient en réponse aux nombreuses recommandations faites par ses citoyens
qui souhaitent investir davantage dans leur pays. Il s'agit notamment de la possibilité d'entrer dans le pays, de posséder des terres et d'accéder aux services financiers. Des demandes que le gouvernement affirme avoir prises en compte dans le cadre du statut spécial proposé. Dans le fond, les Tanzaniens de la diaspora n'auront pas les mêmes droits que les Tanzaniens en Tanzanie. Et donc ce problème va revenir plus tard lorsque sur certains droits, les Tanzaniens de la diaspora vont bien se rendre compte qu'ils n'ont pas réglé le problème dans le fond. Les envois de fonds et les investissements de la diaspora tanzanienne dans les secteurs économiques et sociaux du pays ont augmenté ces derniers mois. Au cours de la période de janvier à décembre 2022, la diaspora a investi environ 4,4 milliards de shillings dans l'achat de maisons et de terrains, comparé aux 2,2 milliards de shillings investis au cours de la période de janvier à décembre 2021. Le statut spécial vient en substitution alors que la Tanzanie n'a pas encore autorisé la double nationalité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.